Allez, deuxième match entre SK Tuyang et Oben Omega. Allez, l'initiative n'a pas changé du tout. Ouah, le C double. Attends, non, attends, mais. Bon, eh bien. Bon, Nago qui paye le prix de. Attends, il est allé se suicider là? Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est bon! Et ouais, il paye un petit peu le contre-coup de toutes ces souillures qui sont passées tout à l'heure. Mais par contre, pourquoi il s'est placé comme ça? Pourquoi il a rush comme ça là? Il a FF mental? Il est en train de run down mid? Allez, puissance colère de Yop. Ouais, Misaya qui peut tuer tout le monde. Ses deux alliés plus Crackler Bork Mage. Ah là, c'est coup dur, hein. Honnêtement. Ouais, c'est vrai qu'ils ont toujours les nids là, SK Tuyang, hein. Ils sont toujours bien par rapport à ça. Avec le panda qui joue juste après le Faker. Allez, Overcast qui a aussi la zone pour ses alliés. Oh, cap de classe pour Overcast. Contre, ouais, il est un peu en papier, hein, cet Ossa. Vu ses raids, il peut aller très très vite en enfer. Il a pas de raids air, il a pas de raids neutre. Personne qui vient placer les armures. Ralenti ce panda avec cette kawotte. Il est sous stab avec les esquives PM de la stab. Donc il y a moyen qu'il ne perde quasiment pas de PM. Il en perdra qu'un. Peut aller chercher le Xel. Ah, s'il debuff le Xel, c'est pas mal quand même. Hein, parce que le Xel, il est à 17 PA. On joue en 13-5 cette fois pour Saerin sur une map plus grande. On a préféré un PM en plus. Et ça débuff. Premier coup. Ok. Nago qui est de retour dans la zone. Et on envoie le Wasta sur cet Ossa. Bon, eux c'est souillure, mais c'est pas très grave. De toute façon, ça avait déjà crit. 1-1 pour l'autre. Ils ont réussi à 2v3. Allez, contre, on fait du retrait PA sur des villes qui conservent tout de même 12 PA. Et il est bien boosté ce Yop, hein, puissance, il les booste de l'Ossa. Il y a déjà eu un 1v3 de réussi en tournoi. De mémoire, j'ai pas souvenir, mais c'est possible. Hein. Vu que tu te retrouves full vie contre 3 mecs à 100 HP. Bon après dans les faits c'est pas censé arriver mais... Allez on essaie de fouetter ce Doppel, ce Panda Wasta pardon, mais ça ne crit pas et donc le Wasta qui reste en vie, on conserve l'état affaibli. Que contrairement au bouffetou, comme on disait sur le premier match, l'état affaibli il disparaît dès que le Wasta meurt.
pas si on a voulu debuff, mais effectivement, vu que le dragonnet il a deux cibles, il ne debuff pas. Ouais, on voulait kick les PA PM du panda, certainement. Il va se faire fouetter ce dragonnet rouge, du coup, il n'y a plus de debuff pour les bleus là. Et par contre, celui de Esquitouillon qui vient debuff ce Xelor. Ok, Irsan, cette fois-ci, il est avec une baguette et le feu. On a laissé tomber la steak. Et on vient focus et tout ça. C'est vrai que Overcast. Il est très éloigné de son panda. Bon. Nago a quand même 10 PM. Mais c'est vrai qu'il les perd là. C'est le dernier tour de déplacement félin. De toute façon, il se débuffe. Mais là, il ne peut plus bouger. Je sais pas s'il avait une souillure, une picole crit. Et on envoie de la vulnée terrestre sur cet Ossa. Et malgré son bouclier Sadida, il se retrouve à 21%. Il a encore crit sa souillure, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, non mais c'est trop hein. Non mais c'est trop grave. Allez, Devil, maîtrise des arcs, amplif. Et avec ce deuxième fouet, le Wasta qui tombe. Allez, des coups de rhizome sur Devil. Il a quand même de bonnes restes terre, de bonnes restes feu. Bon, ouais, on l'avait dit, hein. Overcast, il a peu de res, il a peu d'HP. Avec cette cape de classe. Je pense que c'est un peu overreact, hein, cette cape de classe. Au final, à aucun moment, je pense que ça va être si utile que ça. Il joue Arcadie, Arcadie Terre. Bien profiter des vulnés. Par contre, Irsan, là, il est un petit peu dans le vent. Il a TP. Irsan en 14-6. Mais il est loin. Hein. Il mue son Ossa, évidemment. Nago n'a pas les PM mais il a encore le pendant le cul disponible. Oh le... L'aveuglement moins 3 par contre j'ai pas vu mais... Et ouais en plus de ça il a pas d'esquive hein. Il a aucune esquive et ça c'est assez problématique parce que il y a vraiment moyen de l'empêcher d'utiliser la laisse avec du retrait PA. Allez, Nago au contact, on va debuff cette immu. Ça crit. Et on porte évidemment l'Ossa, il est stab Nago. Overcast est safe, ça peut rollback quand même pour le faire tomber, mais bon. Peut-être un petit peu exagéré de rollback maintenant. Ça vient faire du retrait. Oh le vol du temps qui ne passe pas du tout. Ville qui va conserver 8 PA, mais avec tous les sorts de retrait qu'il a pris, c'est déjà pas mal.
va continuer de taper sur cet Ossa. Il n'y a plus de Julné, évidemment, mais il n'y a plus d'Imu, surtout. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver les critiques sur ses fouets. Pourquoi le Crespi qui va donner le contre les glyphes? Du coup, il a pas donné le contre à l'Ossa. Bon, il se fait fouetter de toute façon. C'est vrai que oui, on est tour 4 là. Il y a une colère. Ils peuvent RDS Lossa, mais comme d'habitude, hein, il y a le panda après. Bah là, je pense qu'il faut RDS Lossa et essayer de kick des PA au panda. Mais il a tellement d'esquive. Vous avez l'état pesanteur qui ne peut pas rollback. Mais on prépare le rollback, mais il est pesanteur le Xel. Et 21%, bah Lossa est mort. Hein. On est tour 5. Il a pas stab T1 le panda, si? Et il a stab T1. Ah, c'est dommage de se placer ici et pas là alors. Faut que Saïrin libère le panda et essaye de râle. Ah ouais, mais en fait il y a le bouffetou. Le bouffetou va tacler. Ah non, le bouffetou tacle pas. Ok. Bon, on préfère mettre des dégâts sur l'Ossa visiblement. Mais bon, là c'est terminé pour Missaya. Pour Missia, pardon. Je peux même envoyer un coup d'arc sur le Xel. Des PA, il reste 7 PA encore sur Overcast. Il va poser un Prespic pour se protéger. Il n'y a plus de stab hein, sur le panda, donc il est pas trop à l'abri cet Ossa. Overcast est protégé par le contre. T'as vu le nez Irsan. Porter l'Ossa et se mettre ici pour protéger son Yop. Ah, finalement on va laisser le Yop se faire râle. Voit le flou. Il qui peut quand même aller chercher des coups d'arc. Hein. Moins 48%. Ouah, ça tape trop fort. Hein. Un coup d'arcadie à 1000 et un second à 700. Irsan à 1500 HP.
Et en plus, ils se font ralentir par un presse-pic. Et le dragonnet qui met de bons dégâts aussi. Et moins 58% avec cette nouvelle Vulné. Ça rollback pour Saïrin, ça changera pas grand chose. Hein. Un TP. Allez, Devil, un souffle. Et on va continuer de taper sur ce Fekka, hein, tout simplement. Amplif, Muti. Et c'est le kill. Encore un coup d'arc à plus de 1000. Et c'est réglé. Ça quitte pour Oben. 2-0 donc pour Esquitouillon qui se qualifie sur le serveur tournoi. GG à eux. Allez, je vous fais pas attendre. On va directement sur la map C. Ah bah c'est ici.